Avis sur l'historique, le chat. J'ai fait 2-10 là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une historique comme ça, moi. Bon, aujourd'hui, c'est ambiance un peu tamisée posée, le chat. J'ai du mal à me lâcher. Hein. Je vous avoue que là, la première victoire, enfin, la première défaite avec 10 000 goals d'avance, m'a un peu dessiné ma journée. Là, on est là pour abattre. Bon, pour l'instant, c'est moi qui me mets un couteau dans le ventre, mais. Allez, qui part. Allez, hop. Je viens de croiser un mec avec un maillot TDS à Athènes. Jure. 1v9 only. En vrai, je sais pas s'il faut que je defun ou si je mute all. Je vais garder les pings, c'est le chat que je veux plus voir. OMG. C'est le mute all. Le truc, c'est qu'en faisant ce détour, j'ai perdu pas mal de temps. Mais tu vois, par exemple, ce qu'a fait Sejuani, c'est pas si rentable que ça, parce qu'au final, je lui dis que j'allais mid, et elle perd ses summoners. Elle me fait des cales pour rien. Il a du flash, non, le Varus? Je sais pas. Isolde n'est plus. Et pourtant, je suis toujours. J'ai bien fait de me pré-shot. En plus, il a flash. Et Karim, ta mère, voilà les dégâts qu'il a alors qu'il joue rush vas-y quand même. Bon, ça reste rentable. Ok, bon, et Karim, 22 CS, il a quasiment fait son full clear. Il était là sur le gank mid. Bon, j'ai une Sejuani qui est on point là. Du coup, il y a 50 topside qui sont revenus. En plus, je suis en train de capter, on joue dans le patch où quand tu meurs, t'as plus de cooldown pour revenir dans la map, non, c'est ça? Parce que ça, c'était un problème aussi en jungle, quand tu tuais ton vis-à-vis, bah, il revenait super vite. Je crois que ça aide indirectement la jungle aussi. Hein. Ah, c'est pas encore, ok. Avec Sky Karim, il va jouer le carap top. Tellement fort Viego c'est Johnny, what the fuck. Petit trade, bon, j'ai beaucoup de gold. J'ai vraiment une merde à rater ce là. Trop mal là. Je vais one shot mon item, hein, 2200.
En vrai, est-ce que je pouvais mieux jouer? Je me suis pris... Attends, mais... Le chat. Le chat, j'ai pris 1 seconde 44 de CC. Vous avez pas l'impression que j'ai pris 4 secondes, genre? Les gars, no joke. J'ai pris 1 seconde 44 de CC. Le ressenti, c'est 4 secondes et demie, genre. J'ai essayé de cliquer sur Zeri. Je n'ai pas réussi pendant 20 minutes. Non. Ouais, mais j'ai ma Zeri. Ok, pas trop mal, pas trop mal. J'adore Viego, c'est le seul champion que je pourrais spam comme ça, genre. Et puis dans toutes les drafts, il peut jouer, tu vois. Enfin, c'est mieux quand il y a des CC, mais... Un moment là, du Karim. Attends, il est en train de faire des gobs, hein? MG, c'est que c'est un OTP Viego. C'est à cause de la playlist, les gars. 0-1-1, les gars. La Vayne, elle vit sa meilleure game là. En fait, ce qui est bien avec Viego, c'est que vu que je sais jouer tous les champions du jeu, vu que ça fait 20 ans que j'y joue, à ce putain de jeu, mais du coup, je suis à l'aise quand je prends des resets. En faisant des games à laver les joueurs aussi, ça m'aide. Ça me redonne le sourire, ce game. Oh, le Brom frérot, il a AFK mid. Il en a plein les couilles. C'est bon mec, c'est bon! Qu'est-ce que c'est ce fight de con? J'ai raté mon R. Hein. J'en peux plus de me prendre des 2,64 de CC là, je vais partir au bout du rouleau là. Mais. OFF en vrai, le Brom il joue plus les gars. Pourquoi il flash? Tu veux mourir toi ça?
Qu'est-ce que c'est, ce game? Salut à Maro. Attends. Je viens de flash in là. Mais Karim il se la donne. Après, peut-être qu'ils sont en train d'écrire dans le chat, hein. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en mute-all. Peut-être que le Brom, il essaye de communiquer, hein. Ouais, on a juste à dive, hein. Petit coup. Petit coup de panard. Comme ça là, sur un rush tout droit. Qui m'aura sorti de l'enfer. Oh là là. Combien ? 4466 de dégâts, mec. Bon voilà, j'espère que vous avez compris à quel point la top lane ça sert à rien. Lâche un like, abonne-toi et dis-moi dans l'espace commentaire si toi aussi t'es top laner et que d'après toi la top lane, peu importe ce que tu joues, dans tous les cas t'as perdu. Voilà, dis-moi dans l'espace commentaire, lâche un like, abonne-toi et rendez-vous demain à 16h. Ciao.